Alors, bonjour à tous. Catherine, j'ai rallumé un instant ton micro pour m'assurer que tu m'entendais bien. Ça va, tu m'entends? Parfait. Très bien, d'accord. Donc, je vais le rééteindre. Oui. Merci. Voilà. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Et de vous retrouver de nouveau. Donc là, cette fois-ci, c'est un nouveau système, donc ça me prend un petit peu de temps pour m'assurer que tout est OK, en fait, parce qu'on passe par Zoom et il y a la mise en place d'une salle d'attente. Donc, il faut bien que je m'assure que tout le monde qui était dans la salle d'attente a réussi à rentrer. Donc, voilà. Alors, normalement, voilà, le micro est éteint pour tout le monde, sauf pour moi. Voilà. Donc, normalement, vous me voyez. Et vous m'entendez, mais par contre, on n'entendra pas les autres participants pour pas que ça crée d'interférences pendant la réunion. Et on pourra faire un moment question-réponse avec les micros ouverts, je suppose, à la fin de la séance. Donc, je continue d'admettre quelques participants qui arrivent un peu tard. Enfin, 3 minutes de retard, ça va, mais du coup, ça m'oblige à me concentrer sur l'écran pour les accepter à chaque fois qu'ils arrivent dans la salle d'attente, donc ça prend un petit peu de temps. Je suppose qu'il y a peut-être un système pour que je les accepte automatiquement, mais... Je vais mettre un truc qui fasse un son. Je peux la désactiver. J'ai désactivé la salle d'attente, donc je pense qu'ensuite ils peuvent rentrer sans la salle d'attente. Voilà. Mais écoutez, sinon, les chanceux, c'est ceux qui seront passés dans la salle d'attente en premier. Bon, alors, maintenant que l'aspect technique est plus ou moins réglé, passons à nos moutons. Que sont-ils, nos moutons, d'ailleurs? Revenons à nos moutons. Revenir à nos moutons, c'est une bonne expression, en fait. C'est nous rappeler qu'il y a l'essentiel et le non-essentiel. Et l'essentiel, il tient dans la main. Le non-essentiel, c'est ce qui nous envahit tous les jours. Donc, revenir à l'essentiel, c'est un rappel à se faire à chaque instant, à chaque moment. Quand on dit être dans le moment présent, c'est revenir à l'essentiel, en fait. On se disperse dans le non-essentiel.
Le non-essentiel, il est simple et il tient dans une main. L'essentiel, il est simple et il tient dans une main. J'ai des choses qui sonnent un instant. Oui, donc je disais, l'essentiel, il est simple, il tient dans une main. Et le non-essentiel, c'est ce qui nous envahit tous les jours. C'est ce qui nous disperse. C'est ce qui nous... C'est ce qui nous fait sortir de la maison. Si on estime que... Notre part de nous-mêmes, en fait, elle est toujours calme, elle est toujours dans la sérénité. Et tout ce qui nous fait sortir de là, c'est le non-essentiel. C'est ce qui nous paraît essentiel, mais qui ne l'est pas, en fait. C'est le faux essentiel. Ou l'essentiel faux. Et c'est bien de régulièrement se poser les bonnes questions. En fait, les bonnes actions ou les actions justes, elles prennent leur origine dans les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, et c'est toujours quel est l'essentiel. Le non-essentiel, il peut nous faire courir dans tous les sens, très très loin de la maison. Il nous épuise et il ne mène à rien qui ne soit durable en fait. Ou qui est de la réelle valeur. Moi, je me souviens, on avait une chienne, une labrador noire, et quand j'étais petite, dans la famille. Et elle courait après... Pardon. Elle courait après l'ombre. Elle courait après l'ombre des papillons. Elle courait après l'ombre de la balle, on lui lançait une balle. Elle ne cherchait pas à attraper la balle, elle cherchait à attraper l'ombre de la balle. C'était très marrant à voir, mais aussi pour elle, c'était épuisant, parce qu'évidemment, elle n'attrapait jamais la balle, donc c'était sans fin. Parce que sa poursuite, c'était l'ombre de la balle, ce n'était pas la balle. L'ombre d'un papillon, vous imaginez bien que ça la faisait courir aussi très loin et pendant très longtemps. Et elle n'obtenait rien de tangible. L'ombre de la balle, l'ombre d'un papillon. Et en fait, c'est ce qu'on fait, nous, régulièrement, même la plupart du temps, quand on se lance dans ce qu'on pense être quelque chose d'essentiel, mais qui ne l'est pas. C'est sans fin, en fait. C'est comme une énergie qui nous envahit et on est là, à courir après l'ombre de ce qui est véritable. Et non pas le véritable. Alors, comment je le sais? Pourquoi je dis ça? Parce que le véritable, il est en nous. Donc, tout ce qui nous fait courir vers l'extérieur, à l'extérieur de nous, ce n'est pas le véritable, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, les réponses, la sensation de complétude et de bonheur, elle peut être trouvée qu'en nous. Le reste, c'est des ombres. C'est l'ombre d'un bonheur. On s'est tous aperçus de ça. On travaille dur pour... ou on met beaucoup d'énergie et d'efforts pour se lancer dans un projet. Et le projet réussit. On est content. Mais il nous manque toujours quelque chose. On est content pendant un temps, ça y est, on a bien réussi. Puis d'un seul coup, on en veut plus. Ou on veut autre chose. Ou alors le projet s'écroule, malgré tous les efforts qu'on a mis pour qu'il réussisse. Au bout d'un moment, il s'écroule. Les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. Quel est le nombre de fois où les choses se passent exactement comme on le veut? Et on se dit, ah non, mais quand ça, ce sera fini, ou quand ça, je l'aurai, j'irai bien. Je serai heureuse.
je me sentirai mieux. Ce sont des motos ou des mantras qu'on se répète de façon inconsciente. On est toujours dans l'attente d'avoir atteint quelque chose ou d'avoir obtenu quelque chose pour se sentir mieux, en fait. On pense que c'est ça qui va résoudre nos problèmes. En fait, cette poursuite, c'est vraiment la poursuite des ombres de la balle et du papillon. C'est la poursuite des ombres de ce qui est essentiel. L'ombre, elle, elle est intangible, elle n'apporte pas l'essentiel. L'essentiel, il est à l'intérieur de nous. Et donc, on poursuit ces choses, en fait, qui ne sont que des ombres. Alors, vous comprenez bien que pendant qu'on fait ça, ben, on ne fait pas autre chose. C'est-à-dire que pendant qu'on est à la poursuite de ces ombres-là, de ce non-essentiel, on n'est pas tourné vers l'essentiel. Alors, pour les taoïstes et pour de nombreuses autres formes de spiritualité, c'est une perte de temps, en fait. Ils nous regardent courir, ils sont là... C'est une perte de temps. On court après l'ombre des choses. On s'en aperçoit bien aussi quand d'un seul coup, il nous arrive quelque chose de réellement grave qui touche à l'essentiel. C'est-à-dire que, imaginons que ça se passait bien au travail, on avait un travail, un compagnon, les enfants étaient en bonne santé, et d'un seul coup, mais il y avait toujours, on était toujours, si vous réfléchissez bien, on était toujours dans « Ah oui, non, mais attends, j'aimerais bien avoir une promotion au travail. » Ou alors « Ma collègue, elle est un peu pénible. » Ou « Oui, non, mais mon fils, il est en pleine forme. Alors, il a commencé à sortir en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il rentre tard les soirs et tout. » Il y avait toujours une forme d'insatisfaction quand même. Et puis d'un seul coup, quelque chose de terrible arrive. Le fils a un accident ou on perd son travail. Et d'un seul coup, on réalise que ben non, l'essentiel, on l'avait. C'est qu'on en était incapable de le percevoir, c'est-à-dire ce qui pouvait nous rendre heureux si on avait été capable de juste être présent et content dans la complétude de ce qu'on avait, d'un seul coup, ça disparaît. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se sentir complet que maintenant. C'est pas quand, ah oui, non, mais j'aurai ma nouvelle voiture, tiens, je serai partie vivre dans le sud auprès de la mer. J'aurais enfin changé d'équipe de travail, c'est pas là, c'est pas à ce moment-là. Le meilleur moment pour se sentir complet, c'est maintenant, c'est là, à cet instant précis et à tous les instants précis qui vont suivre. Il faut se le rappeler, il ne faut pas sortir de ce moment-là pour aller courir vers des ombres. Aller s'épuiser, c'est vraiment le terme, épuiser. Il y a un grand concept hein, dans le taoïsme, il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est les fuites. En anglais, on dit leakage, c'est les fuites, c'est-à-dire les fuites d'énergie. Et une des premières bases, vraiment la base, un des premiers éléments, une première étape de l'alchimie interne ou de la pratique, c'est d'éviter les fuites. Parce que plus vous remplirez une bouteille, s'il y a un trou en bas, elle ne se remplira jamais. Et donc, c'est pareil pour nous. Il faut déjà limiter les fuites et les boucher. Donc, aller les repérer et les boucher. Et donc, ça, c'est un des grands travaux à faire au tout début de la pratique et pendant toute la pratique, parce qu'une fuite peut toujours arriver. Vous avez beau avoir une bonne tuyauterie chez vous, d'un seul coup, il y a un tuyau qui pète, il y a un trou qui se fait, il y a une fissure qui apparaît. Il faut tout de suite la repérer et aller réparer la fuite, réparer la fissure. Donc, cette notion d'empêcher les fuites sous la forme de fuite d'énergie, elle s'applique dans tous les aspects de notre vie. Comprenez bien qu'on épuise de la vitalité quand on va courir après des choses qui n'ont pas réellement de valeur. On épuise aussi notre intellect quand on est complètement, totalement à la poursuite toujours davantage de connaissances intellectuelles des choses. On épuise littéralement. Il y a des étudiants qui font des burn-out, il y a des personnes qui font des burn-out d'exhaustion.
d'épuisement intellectuel. On épuise le corps physique en passant des heures dans le métro pour arriver les premiers aux soldes qui ont eu lieu hier, par exemple, à l'ouverture du magasin. Sans parler de passer des heures dans le métro pour aller à un travail qui ne nous plaît pas aussi. Donc tout ça, c'est des poursuites d'illusions et ça crée des fuites en nous. On épuise nos émotions aussi, c'est-à-dire que quand on est dans quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on est en résistance par rapport à la vie qu'on mène, il y a un épuisement émotionnel. Donc il y a toutes ces fuites. Et donc il y a un moment donné, c'est important de se poser, de tout arrêter et d'aller observer, d'aller chercher où sont les fuites en nous. Parce qu'elles peuvent être... nos comportements sont devenus une telle habitude qu'on ne s'en rend pas compte que c'est une fuite en fait. Et c'est pour ça. Il faut se poser et faire le tour de la maison. Aller voir où sont les fuites. Quel est le tuyau qui est bréché? Où est-ce qu'il y a une goutte, des gouttes qui tombent? Allez observer, chercher les fuites et colmater les fuites. Ça prendra plein de formes, le colmatage des fuites. Ce sera selon chaque personne. Mais ce moment à prendre là, il est très important. Vous devriez, cette semaine qui arrive là, c'est un bon moment pour aller faire le tour de la maison intérieure, et aller voir où sont les fuites. Parce que tant qu'il y a des fuites, on ne pourra pas remplir, on ne pourra pas se remplir de bonnes choses, parce que ça se perdra continuellement. Les fuites qui viennent aussi de mauvaises habitudes alimentaires, mauvaise hygiène de vie, tout ça, c'est des formes de fuite. Alors, on n'est pas du tout à la recherche de la perfection. On ne cherche pas à mener une vie où on s'est fixé un idéal, où tiens, j'arrêterai de boire du vin, j'arrêterai le fromage, j'arrêterai le gluten. Ce n'est pas ça. C'est différent de ce que je vous propose. Hein, parce que ça aussi, c'est une forme de fuite, d'être toujours à la recherche d'une forme de perfection. Parce que c'est la même chose. On est à la course. On cherche à retrouver une ombre de soi-même. On court sur quelque chose qui n'est pas soi-même. Donc, le meilleur moment pour s'aimer, c'est aussi là, maintenant. Ça commence tout de suite, en fait. C'est pas quand j'aurai perdu 10 kilos, je mènerai une vie plus saine, j'aurai arrêté de manger du chocolat, je ferai 5 kilomètres tous les dimanches de footing. C'est pas là, c'est maintenant. Ça commence maintenant. Ça aussi, c'est une fuite. De chercher toujours à s'améliorer, c'est une fuite d'énergie. On ne dit pas qu'on est contre l'amélioration, mais d'être toujours dans cet élan, de toujours en vouloir plus, de ne pas être satisfait de ce qui est là, présent, maintenant, c'est aussi une forme de fuite très importante. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre un temps pour aller observer où sont les fuites. On est conditionné par le faire, en fait. La valeur, on essaye de nous faire croire, surtout dans la société actuelle, le rythme qu'on vit, que la valeur, elle est dans le faire. C'est-à-dire qu'on a de la valeur si on fait quelque chose. La notion d'être, tout simplement, ne suffit pas. C'est à l'inverse de ce que les enseignements taoïstes ou même des autres spiritualités, de nombreuses spiritualités, surtout asiatiques, essayent de nous transmettre.
Notre valeur, elle est dans ce qu'on est, point. Elle n'est pas dans ce qu'on fait. Elle est déjà dans ce qu'on est. Être, tout simplement. Vous savez, dans les temples, on ne fait vraiment rien. On n'est pas en train de passer toutes nos heures et nos journées à méditer ou à réciter les écritures ou à méditer. On passe énormément de temps à ne rien faire, mais dans le sens rien. Pas être en train de pratiquer assis sur son coussin ou en transe ou en train de lire les... Non, on est juste là, posé. Sans chercher à atteindre d'autres états, un état autre que celui dans lequel on est là. Et ça m'a été très, très difficile au début parce que moi, comme toute personne de cette société, de cette époque, du 21e siècle, en fait, depuis tout petit, on est conditionné à faire. Faire ses devoirs, faire des châteaux de sable, faire du foot. Il n'y a pas un moment libre à rien faire, toujours dans le faire. Et donc, quand je suis arrivée au temple, c'est comme si, je me souviens, il y avait un moment où j'avais presque perdu aussi. C'était très angoissant, en fait. Je ne savais plus qui j'étais. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'avais été dans le faire. Et d'un seul coup, là, on ne m'avait donné aucun rôle. On ne m'avait pas dit, tiens, tu vas balayer la cour ou tu vas aller taper le gong ou tiens, il faut absolument que tu apprennes ces écritures-là ou il faut que tu médites tant d'heures par jour. Non, on vous laisse complètement là. Et il y a cette sensation où ben, je ne savais plus qui j'étais. C'était effrayant, en fait. J'avais l'impression que je n'avais plus de valeur parce que je ne trouvais plus ma place. Parce que ma place, pour moi, c'était dans le faire quelque chose. Alors qu'en fait, non. Dans les temples, on nous laisse tout cet espace-là où il suffit juste d'être. Ta place, elle est juste pour être, en fait. Elle n'est pas pour faire. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais alors, le truc, c'est qu'une fois qu'on y a goûté, je peux vous dire qu'on ne retourne pas, vers l'autre truc, quoi. Non, non, on a compris, parce que ça nourrit vraiment notre être véritable. Et puis, on est juste dans être ce qu'on est, point. Donc, ça, c'est important. De se donner du temps pour être. Alors, quand je dis être, ce n'est pas se lancer, je vais faire un tricot, du coup, j'ai le temps, j'ai un mois de vacances, ou je suis en confinement, parce que ça va peut-être revenir, on ne sait pas, mais si ça revient, je vous le dis. N'allez pas le remplir de trucs. Ou alors, commencer un nouveau hobby et tout. Non, non, on vous juste demande d'être, voilà, le matin. Voilà, tu fais un peu le ménage pour que la salle soit propre. Et puis voilà, et puis tu te poses. Et c'est bien aussi, c'est OK. C'est OK d'être. Votre valeur, elle est là aussi, dans ce que vous êtes, point. Donc, c'est bien d'aller à la découverte de cette partie de soi qui veut juste exprimer qu'elle est. Je me souviens... En 2008, donc ça faisait déjà quelques années que j'étais en Chine, j'ai passé un très long moment dans le temple d'un de mes vieux maîtres, vraiment perdu dans les montagnes. Et on était trois dans ce temple, il y avait le vieux maître, il y avait son disciple et il y avait moi. Et c'était la saison des pluies, en fait, il pleuvait beaucoup, c'était l'été. Et en fait, et c'est un temple où ce vieux maître, justement, il est vraiment dans l'être. Il n'est pas à la recherche des disciples ou des choses comme ça. Donc, il y a très peu de gens qui viennent au temple. Il y a seulement le premier jour et le 15e jour du mois lunaire. Donc, à la nouvelle lune et à la pleine lune, c'est l'habitude dans les temples. Les gens, les villageois viennent jusqu'au temple et ils viennent prier. Ils viennent brûler un encens, ils viennent se prosterner. Voilà, c'était notre vie. Et puis, ils discutent peu. Le disciple discute peu, même parfois le maître était parti pendant plusieurs semaines, donc j'étais seulement avec son disciple, et la seule phrase qu'on avait à se dire en une journée, c'était « Ah tiens, t'as envie d'aller manger un maïs, je vais en cueillir un dans le champ. » Voilà, puis c'était notre phrase, et du coup le repas de midi, on se faisait un bon maïs cuit à la vapeur, et voilà, c'était la seule phrase de la journée qui était échangée.
Et sinon, chacun vaquait à ses occupations, ou rien du tout, il pleuvait. Et on passait beaucoup de temps assis sous le porche, et un porche devant l'entrée du temple, à regarder la pluie tomber. Et en plein milieu de ça, je me retrouve invitée en Europe pour aider à la traduction d'un maître taoïste, d'un de mes maîtres, d'un de mes autres maîtres qui venait en Europe pour enseigner. Et c'était mon premier voyage en Europe depuis des années. Et surtout, c'était mon premier contact avec des Européens comme ça depuis des années aussi. De me retrouver en groupe, j'avais vraiment vécu une vie isolée comme ça dans le temps. Je me souviens, j'arrive, donc je me retrouve au milieu d'une vingtaine ou une trentaine d'Européens pour enseigner, donc je traduis. Puis à un moment donné, l'organisateur, il me dit, tu sais, tout le monde est très curieux de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quand j'ai dit que tu venais de Chine et tout, est-ce que tu peux faire une conférence ce soir? Alors, je dis, oui, mais ben, je vois pas ce que j'ai à dire. Quoi. Et donc, me voilà assise d'un seul coup, le soir, à 20h, dans cette salle, avec tous les stagiaires assis devant moi, et je ne savais pas quoi dire. Et puis il y en a, je dis, ben, je vais répondre à vos questions. Et il y en a un qui me pose la question, il me demande, mais qu'est-ce que tu as appris toutes ces années que tu as passées en Chine, c'était déjà un moment, dans les temples, taoïstes. Et en fait, en moi, il n'y avait que cette image de regarder la pluie. Je leur dis, j'ai appris à regarder la pluie tomber. Voilà, et... Je ne sais pas comment ils l'ont pris, mais c'était vrai. Et d'un seul coup, je réalisais que c'était vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, avant de partir vivre dans les temples, j'aurais été incapable. Ou j'aurais trouvé... j'aurais fait autre chose. J'aurais pris un livre à lire. J'aurais allumé la télé, parce qu'à l'époque... Enfin, voilà. Mais dans les temples, il n'y a pas la télé. Mais où j'aurais... Ou alors j'aurais commencé à apprendre une nouvelle langue, ou je me serais inscrite à un cours, ou je me serais mettre à... Enfin, j'aurais fait quelque chose. Je ne serais pas restée comme ça pendant des semaines et des semaines, assise là sur le ponton à regarder la pluie tomber. J'aurais estimé que c'était une perte de temps, etc. Mais non, là, en fait, j'avais regardé la pluie tomber. Donc voilà. Donc c'est ça, juste être dans l'être. Et je ne regardais pas la pluie tomber en espérant que ça allait m'apporter l'illumination dans un état de méditation. Ce n'était pas ça. C'était vraiment juste l'acte pur d'être présent et d'observer ce qui se passait, la pluie qui tombe, point. Ce n'était même pas une pratique secrète et puissante et magique. Non, non, c'était ça. Mais ce sens de complétude, il était là aussi, voilà. Ça me suffisait. Ça me suffisait. Ça, c'est très important. Quand est-ce que vous vous dites enfin, ça me suffit? C'était quand la dernière fois que vous vous êtes dit ça? Ça me suffit, c'est bon, ça me suffit. Vous voyez ? Si on vit dans cet état complet, vous imaginez un peu l'état dans lequel on peut être, si on arrive à avoir en soi ce sentiment de « ah, mais ça me suffit ». En face de chaque situation, non, mais ça me suffit. En face de chaque personne, mais ça me suffit. En face de chaque assiette, ça me suffit. Vous voyez ? Ça me suffit. Ce sens de satiété, être rassasié par ce qu'on est, par ce qu'on observe, par la vie. Ce n'est pas en fonction de la quantité, c'est en fonction d'une attitude interne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sentiment de satiété, il ne peut venir que de vous. Il ne viendra pas de ce que vous obtiendrez ou de ce qu'il y a dans votre vie, de sa quantité ou de sa qualité. Jamais. Vous devez le savoir maintenant. Ça apporte une satisfaction qui ne dure pas. Parce que la seule qui puisse durer, c'est quand vous maintenez en vous une attitude de satiété. Et de se dire, ça va, ça suffit. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et j'ai rencontré des gens comme ça, qui vivent... si ce n'est pas constamment, mais en tout cas, la plupart du temps, dans cet état où ça leur suffit. Alors, ça ne veut pas dire vivre une vie minimaliste non plus. C'est-à-dire que pour certains, c'était le cas, ils vivaient une vie minimaliste, mais d'autres, ils étaient des maîtres taoïstes en pleine ville, qui devaient aller à plein de réunions, etc. Mais en eux, il y avait c'est OK, tout est OK, en fait.
Oui, mais ça me suffit. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Même si là, je suis dans ce rythme effréné, etc., ça me suffit. Vous voyez ce sens de satiété. Il ne peut venir que de vous. Il ne viendra jamais de l'extérieur. L'extérieur vous l'apportera pendant un temps. Et ensuite, quelque chose d'autre se passera. Soit en vous, soit à l'extérieur, qui fait que vous le perdrez. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez trouver ce sens de satiété et de complétude. Voilà. Rassasié. Rassasié par ce qu'on a, par ce qui nous arrive, par les relations qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas en place ensuite des choses qui changent, mais ça ne vient pas du tout de la même place. Vous voyez, quand on commence un projet parce qu'il nous manque quelque chose, c'est une différence entre commencer un projet parce qu'on est rassasié, mais d'un seul coup, il y a un élan en nous très spontané qui nous emmène ailleurs. Ce n'est pas la même énergie. Donc, ça, se sentir rassasié, ça ne veut pas dire qu'on est devenu une amibe sans aucune réflexion et qu'on est là comme ça sans aucune activité. Ce n'est pas du tout ça. Sauf que les activités, elles partent d'un autre endroit. Elles ont une autre énergie. Leur source n'est pas la même que quand il y a une sensation de manque. Voilà, ce que je vous propose, c'est que on aille goûter cette sensation par une méditation. Donc on va s'installer confortablement. Confortablement, ça veut dire le dos droit. Donc si vous êtes sur une chaise, ne vous appuyez pas, ne vous affalez pas, ne pas s'abâchir sur le dossier. On est décalé du dossier. On est assis plus en avant de la chaise pour ne pas s'appuyer contre le dossier. Que le dos puisse se placer de façon droite, naturellement. Si on est assis sur une chaise, de la même manière, les jambes ne sont pas croisées, mais posées, avec les pieds bien à plat sur le sol. Et les mains, vous les posez sur les jambes ou sur les genoux, dans la position que vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'on rentre dans l'immobilité du corps pour pouvoir mieux observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va prendre trois grandes respirations en sentant bien les poumons qui se gonflent, la poitrine qui se soulève et on va expirer pleinement. Et on relâche tout quand on expire et on sent bien le mouvement du corps qui accompagne la respiration trois fois.
Les yeux sont légèrement entrouverts afin de laisser passer un rayon lumineux. Car s'ils sont complètement fermés, on plonge dans la caverne sombre et on perd toute forme de conscience. Et s'ils sont trop ouverts, notre attention est attirée par les mouvements à l'extérieur. Donc on les ferme en laissant de la lumière qui pénètre doucement. On sent ensuite toutes les vertèbres qui s'alignent. En partant du coccyx, ancré à la terre, et chaque vertèbre qui s'aligne naturellement. Jusqu'au cervical, qui sont bien alignés avec le reste des vertèbres. Le menton est donc légèrement penché en avant pour permettre cet alignement avec les vertèbres, avec les cervicales. C'est comme un fil accroché au coccyx qui traverse toutes les vertèbres et passe par le sommet du crâne pour rejoindre le ciel. Il permet l'alignement. Ce fil est relié au coccyx par la terre et au sommet de la tête avec le ciel. Et on est là entre deux mondes, entre le ciel et la terre. On est là en équilibre, placé là, entre le ciel et la terre, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Ce fil continue de vie qui nous maintient vivant ici, présent. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Le miracle de la vie qui nous traverse. On détend bien les épaules, on relâche complètement les épaules. On sent le poids des épaules. Le poids des bras, le poids des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts, du bout des doigts. On sent le poids des bras. Mais malgré ce poids des bras et des épaules, le fil tendu dans chaque vertèbre nous maintient droit. On perçoit ces deux sensations. L'alignement dans la colonne vertébrale qui nous élève et nous maintient entre le ciel et la terre. Et le poids des épaules. Le poids des bras, des mains, des doigts qui tombent vers la terre. Prends conscience de ces deux sensations. Reste un instant là, dans cette perception.
On sent le poids de la poitrine. Les efforts que les poumons font pour se déplacer dans la poitrine. Le poids des côtes qu'ils soulèvent à chaque respiration. Le poids de la cage thoracique. Les poumons qui, à l'intérieur, chaque instant font l'effort de soulever tout ce poids pour laisser l'air rentrer. Sans le poids de la cage thoracique et le mouvement des poumons à l'intérieur qui soulève et qui baisse, qui soulève et qui baisse. On reste présent à ce mouvement et au poids des parties du corps. La force de la vie qui permet de soulever ce poids. La force de la vie qui permet ce mouvement. La détermination de la vie qui permet depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui ce mouvement dans votre corps, sa détermination, son endurance, sa puissance. Notre attention observe les mouvements et sent le poids de la poitrine qui se soulève et se baisse. Sentez bien. Allez percevoir les mouvements nécessaires à chaque respiration. On sent le diaphragme qui se détend, qui supporte le poids des poumons, qui se gonfle. Et le diaphragme se détend à chaque gonflement des poumons. L'estomac se détend. Le ventre se gonfle et se dégonfle. On observe la vie dans le ventre. Ce mouvement qui accompagne la respiration. Le ventre est complètement relâché. Les mouvements sont de plus en plus amples. On laisse le ventre, les muscles se relâcher complètement. Pour laisser tous les organes bouger librement à l'intérieur du corps. On détend complètement l'abdomen. Créer de l'espace intérieur du corps pour laisser la vie animer chaque organe. On observe les mouvements de la respiration qui résonnent dans le ventre.
Même l'arrière du dos légèrement bouge à chaque inspiration. Les reins sont détendus. Ils sont activés par la respiration. On remercie chaque mouvement du corps qu'on perçoit. Tous ces mouvements, ces rythmes qui nous maintiennent en vie. On en prend conscience et on les remercie. À chaque inspiration, chaque expiration. Chaque gonflement du ventre. C'est la vie qui a décidé de continuer à vous traverser. Alors on l'accueille. On l'accueille, on la salue et on la remercie. Quel beau travail elle a fait toutes ces années de vous maintenir ici. De maintenir vos cellules, vos organes, vos membres, vos muscles, vos joints, vos articulations, vos tendons, vos organes d'essence. Chaque jour, elle les alimente. Chaque jour, elle les fait fonctionner. Chaque jour, avec une grande persévérance, une grande détermination, elle fait circuler la vie en vous, dans chacune de vos cellules. Alors, on la remercie. Elle fait également circuler la vie dans tous les êtres que vous aimez, les personnes autour de vous qu'elle maintient en vie. Donc c'est avec une gratitude qu'on perçoit toutes les sensations du corps. Tous ces mouvements, la poitrine, dans le ventre, dans les reins, on va rester un instant dans le silence. Juste présent. Là.
On va prendre 3 grandes respirations. On s'entend bien, la poitrine qui se soulève, les épaules qui se soulèvent. 3 grandes respirations forcées. On va faire nos automassages habituels. Donc, on frotte les mains avec vigueur. On sentant bien la chaleur, tous les mouvements que ça entraîne dans le corps. Le son. On réactive bientôt nos sens. On frotte les globes oculaires. Les sourcils, avec vigueur, hein. C'est pour bien ramener la sensation corporelle. Donc, on n'hésite pas à appuyer fort. Et on appuie là, au milieu, il y a un point plus douloureux, c'est à vous de le trouver. Un point énergétique, stimulez-le un petit instant. Les tempes. Pareil avec vigueur. On entend bien le son, ça résonne. Là, sous le nez, il y a un point et on le masse avec l'articulation. Appuie, c'est un peu douloureux aussi. Et sous le menton, là, au milieu du menton, il y en a un. À vous de trouver. Tu t'en fais bien descendre l'énergie. Ensuite, les oreilles, les lobes des oreilles aussi avec vigueur, du haut vers le bas. Et on va battre le tambour céleste en plaçant les mains, en appuyant fortement contre les oreilles pour que ça résonne. Et on va aller taper avec les doigts comme ça, derrière la tête, pour faire résonner. Ça s'appelle battre le tambour céleste. J'espère que vous voyez. Ensuite, on se frotte la tête jusqu'en bas. Voilà. Masse. Stimuler le système lymphatique. Les cervicales. Alors ça, c'est des mouvements que vous pouvez faire avant la méditation, pour vous préparer à la méditation. Mais toujours après, c'est bien aussi. Et le matin au réveil ou le soir, c'est des mouvements qui sont très bons. Ils stimulent le système énergétique du corps. Donc, c'est des mouvements qui sont toujours très, très bons. Le matin au réveil, vous pouvez faire ça. C'est comme ta pote.
Et on masse les jambes et les genoux. On ne se lève jamais d'une méditation sans avoir levé bien massé les genoux. Les genoux, un peu les jambes. Voilà. Alors, je vais rebrancher vos micros. Et puis, si vous voulez poser quelques questions. Ah ben voilà, ça marche normalement. Donc ceux qui veulent poser une question, vous devriez pouvoir. Oui, je vois que le micro de Christine est activé. Oui, mais je n'ai pas de questions, Karine. Bon, ah ben c'est très bien, moi j'adore les pas de questions. C'est très bien, Christine. Ravie de te revoir ici, mais c'est très bien, pas de questions, c'est très bien. Bon, j'adore aussi les questions, mais en général, après une méditation, il y a peu de questions. Donc, c'est parfait. Bon, eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on va garder des questions pour une prochaine session. Je ne sais pas trop, parce que cet été, je suis tout de même très occupée, donc on verra. Et puis, je sais que les gens sont occupés aussi, parce que chacun part en vacances, ou s'occupe du jardin, ou va se promener dans la forêt à cette saison. Donc, on n'est pas trop devant l'ordinateur, ce qui est toujours une bonne chose. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette session. Merci. Je vous souhaite à tous un très joyeux été et au plaisir de vous revoir. Merci, Karine. Merci, merci. Merci, Karine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.